Aujourd'hui, on visite un énorme entrepôt rempli de Pokémon. Prix incroyable, booster exclusif. On va trouver des coffrets à prix super intéressant et on va même les ouvrir pour essayer d'avoir le plus beau Dracaufeu alternatif. Les gars, aujourd'hui, on va aller dans un méga magasin de stockage juste derrière là. Regardez, et bah il y a du Pokémon, les gars, à prix qui défie toute concurrence. La dernière fois, on est passé, on avait le Rayquaza qui vaut plus de 600, je sais plus. Le prix n'arrête pas d'augmenter, je sais même pas combien ça coûte. Venez, on rentre à l'intérieur, j'ai hâte, je vais vous montrer tout ça. C'est une grosse dingue. On vient de rentrer, regardez, c'est immense. On va chercher le Pokémon. Il est immense. La dernière fois que j'étais passé, j'avais vidé les coffrets. J'en avais pris, bon, j'ai vidé, mais en fait, vu que c'est sur des palettes, il y en a énormément. J'en avais pris au moins une dizaine. Je crois que j'en avais pour 400, 500 euros. Enfin, moi, je suis fou. Je suis vraiment fou. Mais pour le coup, j'avais le Rayquaza, donc j'avais tout remboursé, ce qui est assez incroyable. Faites pas comme moi les mecs, hein. Faites attention. Vous savez comment ça marche, des fois vous avez des grosses cartes, des fois non. On a trouvé du Pokémon les mecs, mais c'est pas encore là. Normalement il y a des palettes de boosters. Là ça va être des petits Lego. Je crois que c'est Kiki qui m'a dit qu'il faisait des Lego. Hein. Perdez pas assez d'argent avec les cartes. Franchement lui, laissez tomber. Vous avez plein de trucs, il y a des jouets pour les enfants là, du Nerf. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut si vous voulez venir. Il y a même des imitations de des petites manettes de Switch. Là c'est de la frappe. Ça, c'est de la vraie frappe, les petits trucs d'arcade là, chiffrons. Très important à savoir, c'est que pour rentrer dans cet établissement, les mecs, faut que vous ayez une petite carte. Donc c'est un abonnement à l'année qui coûte à peu près 37 euros. Vous avez une carte que vous devez montrer à l'entrée en fait et contrôle ça. Et vous pouvez acheter illimité toute l'année, donc 37 euros pour l'année entière. Ça va, c'est plutôt cool. Et si vous venez prendre des coffrets, bah ça peut être très très rapidement rentable. Il y a le mangeur de Madeleine fou là. T'as pas rempli ton caddie cette fois? Un petit gros. Ça y est, regardez-moi ça, on a trouvé, regardez ce stand de zinzin les gars, il y a tout ça. C'est les cadeaux de Noël. Oui, bah oui, c'est les cadeaux de Noël évidemment. Et regardez, on a donc le petit coffret qui est juste ici là, avec donc deux Pokéballs, avec trois boosters dedans, donc 6 boosters, plus la petite ETB carte promo et 9 boosters, on a 15 boosters là, pour 70 euros. Et puis on a un deuxième petit coffret qui est juste ici là, donc 47 balles les mecs. Et dedans, on va avoir 5 mini-chins, apparemment dedans c'est rempli de stars étincelantes, et ça c'est vraiment lourd pour le coup, parce que ça fait le booster à 4,50€ qui est sorti il y a quand même plus d'un an maintenant, donc belle belle dinguerie. Bon, moi je vous avoue que j'ai envie de tout prendre quand je vois des trucs comme ça. Le sort il est trop rempli, c'est trop beau les mecs, mais je vais me limiter, je pense que je vais en prendre deux comme ça parce que c'est vraiment lourd. Le TB, j'hésite, je vous dis la vérité, j'en ai déjà deux, donc une de chaque couleur, et là le prix est ok, c'est pas ultra intéressant mais c'est ok, donc je pense que je vais en prendre un comme ça et deux comme ça. Pour l'instant on est parti sur deux les mecs. Je vais en reprendre un après, mais je sais pas du tout ce que je vais prendre parce que je vais pas vous mentir, ça j'en ai déjà. Et bon, écarlate et violet, on en a un peu marre. Je préfère ouvrir du star étincelante. Et on va dire que les prix sont quand même assez jolis, quoi. C'est des bons prix, mais on va pas se mentir, ça monte très très vite. Les prix magasin les moins chers, ça ferait 15 balles pour les petites Pokéballs. Il y en a deux, donc ça fait 30. Et ça veut dire qu'on toucherait le TB à 40, ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt 55 en magasin la plupart du temps. Vous pouvez trouver 50, mais bon. En vrai, il y en a partout des ETB écarlate et violet, les mecs, pour le moment. D'ailleurs, je sais pas comment ça se fait. Ils ont trop imprimé. Une fois, j'avais pris le premier que j'avais vu et ça m'avait bien porté chance. Monsieur Madeleine, il m'a fait acheter quoi là? Avant de taper les coffrets là, on va manger un donut. C'est bon, hein. Demain, je vais avoir les artères bouchées, mais c'est grave bon. On va s'ouvrir ça. Je vous ai dit, la dernière fois qu'on avait ouvert, on avait eu le Rayquaza. C'était juste n'importe quoi. Avec moi. Est-ce que dans ce coffret là, il y aura de la chance ou pas? En tout cas, les promos, elles sont super belles. Regardez les promos. On a le contour qui est argenté un peu. Ça qui est super cool avec... Ah bah voilà, regardez, hop. Regardez comment elles sont belles les promos. Regardez comment ça rend trop bien l'holographisme. Et du coup, là, dedans, regardez ce qu'on va avoir. Normalement, il y a du star étincelante. Que du star étincelante. Et dans le star étincelante, vous savez, il y a quoi, les gars? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a un Dracaufeu de malade qui combat Florizarre. Un truc de gueudin qu'on va peut-être avoir ce soir. Alors, l'heure de vérité. Oh, le petit star étincelante. Et le deuxième avec le Dracaufeu. Let's go. Allez. On va péter ça les mecs. On peut avoir un truc sur la reverse aussi, ça va être fameux ça. C'est fameux ça. C'est fameux. Allez, Caraclé, Ekrapens, Gringolem, Eoko, Wistikram, Luxio et allez on part du ce. Pas grave. Pas grave les mecs, on commence. On n'est pas censé avoir une reverse genre minimum. Bah il y a une reverse hein, la reverse ça vient de passer, mais là c'est les anciennes collections. Mais elle brille même pas. Non, en fait. Toi, je pense que tu parles de l'holo garantie. Ah, il y a une holo garantie dans chaque booster, mais ça, tu vois, c'est pas violet écarlate, c'est épée bouclier. Okay, okay. C'est juste avant. Et du coup, là, il n'y a rien de garanti. Le Léviator. Hein. Franchement, le Léviator, il est dingue. Oh, yo, yo. On enchaîne avec Karameng, Melofée, Seribou, Caraclé et Crapince. Allez, stop, play. Ouais, bon, une holo, les frères. C'est mais... Vas-y. Attends, oh, c'est grave de la merde. On va faire sortir le Dracaufeu. Non, je te laisserai pas dire ça.
Enfin, je vais mettre ça là. T'es dommage, cette fois, il a pris des trucs pour ranger ses cartes. Bah, malheureusement, il n'y a pas de drop. T'as vu, t'as un gamin. T'as un gamin. Parce qu'à l'époque, il avait chopé Rayquaza, mais il avait pas regarde, de sleeve. Regardez comment elle est belle, cette team, les gars. Regardez-moi ça. Regardez comment elle est stylée. Oh, hop là. Allez, allez, let's go. On ouvre le Draco Feu en premier. Est-ce qu'on peut avoir le Draco Feu dedans? Comme ça, ça me rembourse mes courses. Petit Draco Feu là, à 300 boules. Feu Forêt, Kunotor, Electek, Eoko, Grigno, Eoko. Mais, hey, mais vas-y, c'est quoi ça, des holos? Laisse-moi toucher le dernier booster. C'est quoi des holos? C'est quoi ça? Attends, laisse-moi ouvrir. Attends, si j'ai rien, je te donne un truc à ouvrir, genre avec deux boosters. Non, moi j'ouvre pas aujourd'hui. Tu veux pas ouvrir? Non, je sens que j'ai pas de chance aujourd'hui. Moi je sens que tu vas avoir de la chance. Non, mais je l'ai touché là, normalement il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose là, tu penses? Tu penses qu'il y a quelque chose? Ah, il était particulièrement léger. Tu penses qu'il y a quelque chose? Non, je pense pas. Kelenox, Carnitigio, Tadmorph, Neuneuf. Arceus Foulard, il est stylé quand même. Allez, incroyable la carte. Un instant. Stylé de fou. Ça, c'est bien ça, les mecs. Ça fait mal, plaisir. Non, ça, c'est énervé. Ça, c'est deux boosters, on arrête. Non, on arrête, c'est bon. Je pense qu'on fait en deux pas, deux temps. Quand on arrive, on ouvre le reste. Ok? Vas-y. Comme ça, l'énergie, elle se renouvelle. Moi, je pense justement, là, c'est la période où on a drop. Donc, faut enchaîner, je pense. Oh, normalement, il y a une sleeve. Ah, il y a une... Regardez-moi. En plus, c'est une sleeve. Star étincelante. Avec Arceus dessus. C'est pas un signe du destin. Arceus, incroyable. Incroyable, les mecs. Y'a quoi d'autre de bien à choper dedans? Bah, y'a un Arceus alternatif aussi. Genre, c'est la gamme au-dessus, quoi. Tu le vois, et... ouais, voilà, exactement. Tu le vois, genre, un peu dans l'espace, tu vois toute la terre en bas. Et c'est le boss du game, tu vois, genre, elle est incroyable. Mieux que le Draco Feu. Oh, le Draco Feu, c'est la base, quand même. Feu, c'est la base. De toute façon, y'a pas plus populaire que Draco Feu. En vrai, Draco Feu, Pikachu. Alors qu'il y a eu des vrais Pokémon quand même. Bah, t'as eu de la chance, apparemment tu l'as touché. Vas-y maintenant, dis-moi. J'en choisis un. Vas-y. T'es pas allé chercher loin. Non mais attends, je regardais l'illustration. Ah, ouais, bah oui. Lui il est lourd. Mais le Pokémon je le connais absolument pas. Je sais pas si vous connaissez les mecs. L'autre starter là. Non, l'autre starter on en veut pas, il est moche. T'aimes bien lui? Il est moche, ils sont tous les trois, ils sont horribles, je suis désolé. Ça doit être les dernières sorties Pokémon, hein. C'est quelle version? Moi j'arrête à Diamant et Perle. C'est quand la tête violet, c'est les dernières. Ok, ça faut se renouveler, Poké et compagnie. Hein. Oh. Donc comme vous êtes des acheteurs compulsifs, ça vous scamme tous les ans. Oui, je me calme. Avec leur jeu Open World, en fait c'était le Big Flop. On en parlait comme une révolution, Big Flop sur Flop. Apparemment le prochain jeu, c'est Flop sur Flop. C'est noir et blanc 3. Bon, on en a marre des remakes. Grimalin, Magma, Riolu. Cheniki, Starry, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Est-ce qu'il y a une... Oh là là là, c'est une holo, mais vas-y là, le hit, vas-y, c'est quoi ce hit là? Professeur Ambre. En vrai, c'est une dinguerie parce que quand tu regardes, on a eu énormément d'holo parce que c'est pas holo garanti. Mais. C'est-à-dire, on aurait pu avoir quelque chose de bien voilà, à chaque fois. Voilà, c'est ça. C'est ça qui me frustre. Vas-y, à l'américaine. À l'américaine. Oh non, 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 non. Les gars, l'affaire de la journée. Je me dis, on est samedi matin. Je fais mon petit tour après manger. Je digère. Je regarde s'il y a du Pokémon. Et regardez ce que j'ai trouvé. Les duo packs avec deux boosters dedans. Et surtout du Evolution Céleste. La fameuse série avec l'incroyable Rayquaza qui coûte aujourd'hui très très cher. À plus de 500, 600 balles. C'est juste un truc de fou. Et bah, il y avait une petite offre 30% remboursée sur la carte. Donc c'était Leclerc. Et pour le coup, bah, pour moi, c'est de l'argent gagné, hein, parce que c'est 30% bon d'achat. Mais 30% bon d'achat sur la carte, si tu peux acheter du riz, des pâtes, enfin, t'as besoin de manger pour vivre, très clairement. Et du coup, bah, j'ai eu ces petits, boosters-là pour 35€ avec 10€ de bon d'achat. Donc, je m'en suis tiré avec un peu moins de 25€ les boosters. Et ça, c'est énervé parce que, je crois que c'est moins cher que le prix grossiste, carrément. J'ai eu ça pour 8,50€. Je suis trop heureux, surtout du Evolution Céleste. Ça commence à dater un peu et c'est très très recherché. Vidéo incroyable, tu t'es sorti dans un magasin avec une collection de zinzin à plus de 100 000 balles. Enfin, j'abuse peut-être, je sais pas. Allez voir juste ici.